Et 73-51 toi, de la part de Dandy 33 là au QIRA. Merci pour les infos de la route. Je vois que c'est pas le top top hein, ce matin. Ouais, ok, hey, quoique le télétravail là il est en train de s'arrêter, donc ça va faire encore plus de monde en fréquence. Là, plusieurs fois là dernièrement là je t'entendais le matin, mais vu qu'il y avait des pets, enfin bon je resterai poli, là qui s'amusaient à se mettre en FM sur 19, il m'était à chaque fois impossible de pouvoir te sortir correctement et donc du coup te répondre. C'est sûr. Je prends pas la voiture tous les matins, mais c'est vrai que quand je le fais, je viens donner les infos de la route. Et voilà, ma petite compétition pour MTV. Ouais, bah, c'est bien. Je vois qu'il y a du monde là, parce que je vois passer tes vidéos un petit peu là régulièrement sur YouTube. C'est quand même bien sympa, si tu te rends compte, ça m'arrive d'accrocher du monde aussi le matin sur 19. Donc c'est plutôt cool. C'est un peu, voilà. Bon, je vois que j'ai un petit peu de chez Jacques là. Je suis très sérieux. Là, ça navigue ce matin. C'est cool là. Ouais, ça navigue entre Santiago là, entre 2 et 4. Tu arrives d'où j'ai pas compris. J'ai cru entendre Pessac. Non, je crois me tromper là. Ah, j'arrive à Pessac, je suis en train de descendre dans le trou là. C'est toi, c'est du 56-59 hein, ici là. Béchac, ok, oui, c'est un petit peu normal, je suis en fixe, hachi. Et puis en ce moment, avec la tempête solaire là, qui frappe la Terre, là en ce moment, ça pulse. Oui, c'est sûr, comme tu dis. D'autant plus que là, en ce moment, on a tous les jours les Américains en AM. Hein. Là, ils viennent même nous surmoduler, là, ici, là, sur le 19. Alors, quand on descend sur le canal 6, leur canal cours maternel, hachi. T'as joué là, dernièrement, là, ils m'ont fait des pointes à 9 plus 20. Ouais, hein. aïe. Ok, ça marche, je suis un repos compensateur obligé en ce moment. Ok, bonne journée à toi et à la prochaine. Et avec un peu de chance, mais peut-être demain matin, on sait jamais. Ok, merci, bonne journée, bonne réunion, bye. Bon, de mon côté, c'est assez calme. Alors, ah, si, c'est toujours là. Si j'allume l'autre.
Ah, j'ai un Santiago 5 en permanence là de QRM. Bon, l'autre il est sur un long fil. Hein. Pas forcément bien accordé. Pas forcément bien conçu. Ce qu'il me faudrait. Oh, je mélange toujours les deux. Un ballon ou un choc ballon ou quelque chose comme ça. Pour rendre mon long fil moins sourd. Le long fil qui doit faire, je sais plus combien, 46 mètres je crois. Je sais plus le calcul que j'ai fait. C'est-à-dire, pour être précis, c'est la longueur d'onde entière pour le 11 mètres, qui fait 10 mètres quelque chose en fin de compte, puisqu'au bout du compte, puisqu'à la fin de l'opération, il faut multiplier par 0,95 de mémoire. Que j'ai ensuite multiplié par 4 pour faire mon long fil. Bon, ben moi je reste en stand-by là. De toute façon, il y aura d'autres activités là comme hier, là qui va, où ça va passer par là. Et qui sait, j'aurai peut-être les copains là que j'ai d'habitude. Alors, il y a une très grosse activité solaire en ce moment, depuis quelques jours. Ça va être intéressant. En ce moment, nous avons les Américains qui passent tous les jours en AM. Aujourd'hui, enfin, en ce moment, dites, j'arrive pas à faire deux choses en même temps. Je vais vous montrer ça sur la vidéo. Alors voilà pour le pôle Nord. Et voilà pour le pôle Sud. Alors c'est l'activité des aurores boréales. Sachant que c'est les mêmes couches qui sont utilisées pour la radio, radio HF. Que je remette en place comme il faut. Voilà. Donc là, ouais, depuis quelques jours, c'est assez intéressant de voir un petit peu ce qu'il y a. Ils en ont parlé à la télé aussi, hein, de cette forte activité solaire. Disons qu'ils en ont parlé parce que ça les inquiète du côté des très hautes fréquences. Autrement dit, satellite, téléphonie mobile aussi. Hein. Bon, ça c'est un manquignol. Et une année, d'après ce qu'ils ont dit là sur au journal télévisé là de 13h, serait même mis en panne, serait fait disjoncter le réseau électrique au Canada. Quoi. Alors ça c'est pas banal. Voyons un peu plus bas. Ah oui, d'accord. Avec un niveau de QRM comme ça, l'affaire, c'est pas gagné. Bon, là, on est le matin, hein. Alors, il est 10h40, 10h45. Je suis étonné de ne pas trouver plus de monde que ça. C'est pas plus du niveau 5. Pour moi, c'est trop faible pour moi, de mon côté en réception ici.
il manque un peu de puissance, effectivement. Il manque pas assez dans les tours, de façon à ce que je puisse te suivre correctement. Mais ça a l'air propre. Après, ça manque effectivement de la propriété. Alors là, comme ça en SWL, je suis simplement sur une antenne de CBI, hein. Une Sigma Mantova 8, hein, pas plus. C'est compréhensible quand même. Donc ça veut dire que la réception pourrait être meilleure. Le problème, en fait, c'est qu'il faut des soins. Cet après-midi sera peut-être meilleur. À voir. Quelque chose qui est passé là. J'ai entendu quelque chose. Oh, il y a du monde. Ouais, ça doit être les mille pattes. Oh, c'est pas très clair, mais vu l'accent, on dirait les pays de l'Est. Je me souviens une année, hein, être surmodulé, hein, par les taxis russes, hein, qui eux justement utilisent la CB pour travailler. Là, pour entendre les Américains, là, c'est encore trop tôt. Là, ils sont tous en train de dormir. Là. Alors, Canal 6, Power. Non. Ouais, ça monte, la propague. Attention, Vega 33 pour Dandy 33 qui t'appelle. Attention, Centaure Daniel pour Dandy 33 qui t'appelle. Attention, Tristan pour Dandy 33 qui t'appelle. Ouais, je veux le signal monter d'un coup, là.
Attention, Monopoly, Monopoly, est-ce que tu es sur la région? Non. CQDX, appel de 14 kilomètres 3301 opérateur Rémi qui lance appel depuis le sud-ouest France. CQDX, appel de 14 kilomètres 3301 opérateur Rémi qui lance appel en fixe depuis le sud-ouest France du côté de Saint-Émilion. Bon, mais il y a au moins ça qui m'a répondu. Ah, ils sont peut-être tous au boulot aussi, hein. Ah, c'est magique hein, de pouvoir entendre comme ça des pays lointains. Parce que pour ceux qui découvrent, la CB, hein, c'est la liaison directe. Hein. Il n'y a pas d'intermédiaire comme les relais téléphones ou comme Internet. Hein. Il n'y a rien de tout ça. Quoi. Qui sont cachés. Hein. C'est moi qui n'étais pas doué, là. Tu pourras passer le monde, ça, c'est bon.
Brasil. Tu vois, j'arrive pas à comprendre. Oh, il y a là une voix que je connais, là, qui arrive du nord de France. Les 73-51 toi de la part de Dandy 33 sur le sud-ouest de France. Alors, si je me souviens bien, c'est un routier, Drakkar, voilà. Attention, Drakkar pour Dandy 33 qui t'appelle depuis le sud-ouest de France. Attention, Drakkar pour Dandy 33 qui t'appelle depuis le sud-ouest de France. Break. Attention, Drakkar pour Dandy 33 qui t'appelle depuis le sud-ouest de France. Breaker. Alors lui, il circule normalement que sur le nord de France. Mais vu l'activité qu'il y a en ce moment, au niveau de l'activité solaire, donc au niveau propag pour nous, il doit être pas mal surmodulé de son côté, quoi. Évidemment, ça se sent pas trop là. Bon, elle est pas encore montée si haute, la propague. Vu l'accent qu'il a, il n'est pas sur le coin. Donc,
en termes d'émission réception, c'est vraiment... Ouais, ça a retombé un peu. Bon, bon, on verra ça tout à l'heure. Ces bruits qu'on entend, là, c'est pas du QRM, du parasite. Hein. C'est un mélange de l'activité des stations avec l'activité qui a l'activité du soleil et tout ce qui s'ensuit. Quoi. Ça nous fait un petit bourrabat. Vous avez vu comment là ça travaille au niveau propagation? Attention les stations fréquence pour Dindy 33 qui vous appelle depuis le sud-ouest de France. Je sais même pas d'où ça arrive, dans quel mode ça arrive. Attention les stations fréquences pour Dindy 33 qui lance appel depuis le sud-ouest de France. Il y en a qui se sentent mal. Break, break, break pour le sud-ouest de France. Pardon.
Ça arrive de où? On aurait dit du radiotéléphone. Ah oui, là, c'est... C'est à tel point que ça nous arrive de partout, là. Mais il y a encore plus fort, hein, au niveau activité solaire. Là, on est seulement là. On est seulement dans la montée d'un nouveau cycle de propague. Hein. Nouveau cycle solaire. Attention les stations fréquences pour Dindy 33 qui vous appelle depuis le sud-ouest de France. Attention les stations fréquences pour Dindy 33, 14 kilomètres, 33 01 opérateur Rémi qui lance appel depuis le sud-ouest de France. Bon, je verrai bien après sur internet si je vois passer des messages, mais là j'entends rien. Enfin rien de clair en tout cas. CQDX, à appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel depuis le sud-ouest de France. CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel depuis le sud-ouest de France. Ah oui. Alors, 005. CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel depuis le sud-ouest de France. Et ça peut ne pas le faire, je suis pas dans le bon mode. CQDX. Appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel depuis le sud-ouest de France. CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel depuis le sud-ouest de France. CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel depuis le sud-ouest de France. Du monde dans tous les modes. CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel depuis le sud-est de France, du côté de Saint-Émilion. Wow.
Il y a des bruits comme ça qui se baladent sur les ondes. Là, si je remonte en... Oui. Et voilà. Et je suis en train de le suivre, là. Ça, c'est des bruits qui naviguent comme ça sur toute la plage de HF. Et je peux monter comme ça, là, aussi loin qu'il ira. Alors, on voit ces traces sur les voies BSDR. Voilà, on voit des espèces de traits, là, en diagonale, là, qui se baladent comme ça, tac. CQ, CQ, CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel depuis le sud-ouest de France, du côté de Saint-Émilion. J'ai pas compris. Hein. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel depuis le sud-ouest de France. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel depuis le sud-ouest de France. J'ai pas compris. Ça, c'est un problème quand on n'est pas multilingue. CQ, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel et qui vous propose un QSY sur le 27-435. CQ, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel depuis le sud-ouest de France, du côté de Saint-Émilion. CQ, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel depuis le sud-ouest de France, du côté de Saint-Émilion. CQO, CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, et qui vous propose un QSY sur 27-625. 27-625. CQO, CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel en fixe depuis le sud-ouest de France, du côté de Saint-Émilion. Oui, Daniel, les bonnes sont 1351 à vous, de la part de 14 km 3301 Rémi. Voilà, actuellement au QIRA du côté de Saint-Émilion. Oui, d'avoir réussi le contact. Voilà. C'est Daniel du département 47.
Ok, bon, on va dire qu'on est voisins, entre guillemets, à Chitroicou. Ouais, on va aller, mais pas facile à établir le contact, là. J'en reviens pas, je t'ai entendu, donc on va dans le pays, là, et c'est super facile, là, voilà, la proposition est là. Ah ouais, de mon côté, là, c'est du 54, hein, donc ça passe bien aussi. Ouais, je sais un peu partout, là, sur toutes les fréquences d'appel. Alors, j'ai, au niveau des X, j'ai commencé à appeler sur le 27-05. Après, en uniforme Sierra Bravo. Après, je suis passé sur le 27-385 en Lima Sierra Bravo. Après, je suis monté un peu plus haut, 27-455 en uniforme Sierra Bravo. Et puis là, à l'instant, là, sur le 27-555. Là, je passe là, toutes les fréquences d'appel des X. Ok, ben justement, là, je suis en train de faire une vidéo. Si ça te dérange pas, si ça te dérange, il n'y a pas de problème. Hein, je coupe, hein, je couperai cette partie-là. Je suis en train de faire cette vidéo qui est au niveau du titre et de la tendance de la vidéo, plus orientée sur l'activité solaire dont on entend parler en ce moment un petit peu partout. Et comme ils en ont parlé hier également, là, au journal de 13h. Voilà, il y en a qui s'inquiètent un petit peu là de cette hausse d'activité solaire, qui craignent un petit peu du côté des satellites, la téléphonie mobile, de ce côté-là. Mais pour nous, sur la bande HF, au contraire, hein, c'est que du bonheur pour nous. Hachi. Ah, ok, allez, écoute, je suis d'accord avec toi. Alors là, franchement, c'est un coup de maître d'avoir réussi le contact là. Ouais, ben de mon côté, là, c'est du 53, 54. Là, ça marche bien. Alors, au niveau, comme tu pourras l'entendre dans la vidéo, qui sera un peu longue, hein, parce que bon, j'en ai déjà là, toute une partie là, de ce matin. Alors, la tonalité du micro est plus dans les médiums. Je sais pas. pardon, excuse. Je sais pas si tu as le moyen de régler ça au niveau grave, aigu, médium, mais là il serait un peu trop dans les médiums. Ou alors tu parles peut-être un peu loin du micro. Ok, enregistrez le break. Ouais, bah tiens, le mien, il est encore plus vieux que ça. Le mien, il date des années 80. Hein. C'est un vieux Pan OCM 2018, micro préampli CB, que j'ai branché sur le Yazu. Voilà, je suis en train de montrer la bidouille, là, devant la caméra. Voilà, que j'ai branché, là, sur le Yazu, via un petit adaptateur fait maison, avec un bout de câble réseau. Car sur le Yazu FT450AT, c'est un brochage RJ45 qu'il y a dessus. Donc un petit bout de câble RJ45, là, quelques centimètres, là, une prise, ouais, c'est une 4 broches que j'ai mis, ouais, c'est ça, hein, mâle, pour pouvoir me brancher après derrière le micro préampli. Ok, ouais, j'ai vu qu'il y avait un Italien qui est venu camper là sur la fréquence, là qui nous perturbe un petit peu. Quoi. Ah, c'est sûr qu'avec la popa qu'il y a, c'est pas évident. Ouais, c'est pas grave, tu verras ça dans la vidéo. Je disais que là, je suis avec un vieux Pan ECM 2018 au niveau du micro. Ouais, ok, mais je connais ce micro. Bon,
Ah oui, j'en suis content, je navigue un petit peu entre... j'ai toujours le micro d'origine qui est à portée de main, mais il est un peu fatigué. J'ai le câble là qui se dépiote. Alors j'essaie de le... je l'ai rescotché un petit peu comme ça, mais là c'est bon, là il est fini, il est cuit. Va falloir que j'aille voir Christophe, la SAV Radio 33, là pour qu'il me le change. Alors, autrement, c'est vrai que là, mon micro, là, j'en suis assez content quand même. Bon, j'ai une voix qui est un peu grave. Lui, il me permet de balancer une voix un peu plus aiguë. Et d'après ce que j'ai pu entendre, comme ça, en faisant des essais, là, en branchant un poste à côté. Bon, c'est. J'en suis assez content de celui-là. Quoi. Alors, il y aurait un poil de... Je connais pas ta voix de près, hein. Il y aurait, je dirais, un poil de médium. Au niveau aigu, c'est bon. Au niveau grave, c'est bon. Au niveau médium, c'est un peu haut. Alors, comment te dire? Allez, dans la déconnade, je veux dire... on a l'impression que ton micro... il est un petit peu enfermé dans une boîte de conserve. Et il marche très bien. Hein. Ah oui, il marche très bien. Il y a une bonne modulation. C'est vrai qu'il percute bien. Il est super. Mais au niveau tonalité, voilà, ce serait un petit peu ça. Quoi. Mais autrement, il est super bon. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Au contraire, il marche bien. Hein. Tu pourras le voir. Il est super comme micro. Il n'y a pas de problème, tu sais, je suis pas de ceux qui font la course des X. Cumuler le plus grand nombre de contacts, ça m'intéresse pas. Là, on discute et tout, bon, t'es le département à côté, bon, il y a quand même un peu de distance entre nous, hein, c'est clair, quand même. Mais je suis super content quand même de faire un QSO avec toi. Hein. Ben quand même. Non, puis en plus, sinon je ferai pas tout ce que je fais à côté hein, si j'aimais pas le contact comme ça. Ouais. Hachis trois coups. D'ailleurs, côté DX, quand on m'entend, c'est vraiment que quand il y a la propague. Sinon, je suis obligatoirement du côté des 40 canaux. Ouais. Ben, ce qui est, c'est quand même plus logique pour le QSO local. Quoi. Ouais, ben, puis toi, là, tu parles de directive. Ben, franchement, j'ai un avis plutôt mitigé. J'ai rien contre les directives. Ok, je reconnais parfaitement le côté efficace quand on veut à tout prix isoler quelqu'un. Mais j'aurais envie de dire que pour ma part, ça serait presque une petite contrainte. Car ça t'oblige à la tournée et tout, ça, pour entendre quelqu'un, ou ceci, cela. Voilà, il faut à tout prix avoir les deux, verticale, directive. Tu écoutes sur la verticale, dès que tu as repéré de quelle direction ça vient, paf, ok, tu bascules sur la directive. Bon, encore je veux bien, mais franchement, ça me fait pas plus envie que ça, hein, directive. Hein. Non, je suis uniquement en vertical. Bon, tu pourras l'écouter dans la vidéo.
Je suis uniquement qu'en vertical. Et franchement, perso, je préfère être qu'en vertical. Une directive, ça ne m'a jamais vraiment attiré. Ouais. Non, pas du tout, je suis en repos compensateur forcé. J'ai eu le patron qui m'a envoyé un courrier en me disant que si je prends pas maintenant mes repos compensateurs, ils seront perdus. Ok, c'est gagné. depuis samedi matin dernier, je suis en repos, je reprends que demain soir. Ok, je vais te laisser profiter de la propague, les bonnes 73. Bienvenue chez les kilovacs, puisque ouais, tout à l'heure j'ai réussi à entendre que là en ce moment tu étais en train de voir un petit peu ce que ça donne, ceci, cela. Et pour ton info, la grosse activité des kilovacs, eh bien, se fait sur le forum La Planète Sibi Francophone, puisque qui est en même temps évidemment le forum des kilovacs. Avec Joël 14 kilovacs 5701 comme président des kilovacs. Ok, merci, toi aussi. Côté DX, il m'est déjà arrivé de faire la Nouvelle-Calédonie, ça et ainsi de suite, pas mal de QTH malgré tout. Mais c'est vrai que j'ai pas le même plaisir. Ça me fait plaisir d'atteindre des pays aussi loin, de parler avec des gens pour la première fois comme ça, ainsi de suite. Mais si le relationnel n'est pas le même. Ok, je te laisse profiter de la propague. Les bonnes 73, à plus. Ah, bien entendu, bien évidemment. Ok, merci, bye. CQ, CQ, CQDX, appel de 14 kilovacs, 3301, qui lance appel et qui vous propose un QSY sur le 27 575, 27 575, c'est parti pour moi. CQ, CQ, CQDX, appel de 14 kilomètres, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel depuis le sud-ouest de France, du côté de Saint-Émilion. Je finis par plus savoir de quel côté j'habite, moi. CQ, CQ, CQDX, appel de 14 kilomètres, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel depuis le sud-ouest de France, du côté de Saint-Émilion. D'accord. Pourtant, j'ai vérifié avant. CQ, CQ, CQDX, appel de 14 kilomètres, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel et qui vous propose un QSY sur le 27 625. 27 625.
CQ, CQ, CQDX, appel de 14 km, 33 01, opérateur Rémi, qui lance appel et qui repasse en écoute. 73 de 14 km, 33 10, Hachi. Ok, 73, 51 toi, putain, là c'est du grand DX. Hein. Waouh, là ça, pourtant il y a de la propagne de partout. Tout à l'heure, justement, j'ai eu le département 47. Hey, non mais attends, c'est le gag. Hein. C'est là qu'il y a de la propagne de partout que je fais du local. Ah, mais je t'entendais tout à l'heure. Mais t'es pas loin, là. Ah, juste assis sur la chaise à côté de toi. Ah, je te promène. Non, je suis au QRA. Hein. Non, là, je suis en repos compensateur en ce moment. Je t'arrive plein pot. Ah. Je t'ai dit que j'étais assis juste à côté de toi. ouais, mais j'ai eu un courrier du patron me disant que si je posais pas mes repos compensateurs, ça serait perdu. Ah, bon, d'accord. Du coup, là, j'ai une petite vacation vendredi soir, là, puis après, je reprends normalement lundi. Après, c'est en journée. Là, pour le coup, durant tout le mois de février, je vais être en journée. Là, je vais perdre complètement les avantages de la nuit. Ouais, mais maintenant, il y a du changement, quoi. Moi, j'ai resté une semaine sans bosser, évidemment, en étant payé 150 et une heure. Et là, c'est pareil, j'ai pas bossé de la semaine et bon, je vais bosser demain pour dépanner parce qu'il y a un collègue qui a le Covid. Mais sinon, j'ai pas bossé pendant 15 jours. Ça c'est trop bien. Ouais, mais bon, de toute façon, là, il y a du changement qui est en cours. Hein. J'en dirai pas plus là-dessus. Oui, je suis au courant. Hein. J'ai entendu ça. Voilà. Bon, mais tu passes bien aussi, toi. Ah oui, maintenant que c'est la Gipole, voilà. Mais non, mais il y a ta propague, ça envoie pas mal aujourd'hui. Depuis quelques jours, et je m'attendais aujourd'hui à entendre à nouveau les Américains, là, en AM. J'avais un peu envie de faire l'andouille avec eux, malgré que je parle pas un mot de roast beef. Et non, ils n'ont pas eu envie de venir. Ah bon, c'est dommage que ce ne soit pas des Français, quoi. Moi, je parle pas des langues étrangères, et j'aurais bien aimé faire des contacts un peu plus loin, quoi. Ah, mais moi, c'est pareil, hein, pardon, je comprends que le français, c'est tout, hein. Non, mais je déconne en disant ça, hein. Bon, autrement, c'est vrai que là, ces jours derniers, là, c'est, on avait les Américains qui passaient tous les jours, hein, et on aime, en plus, hein. Alors là, c'est là où, un petit clin d'œil pour certains, c'est là où ça me fait rigoler, parce que il y en a qui affirment que l'AM, c'est juste bon pour du local à courte distance. Ben non. pas que. Quand la propague est là, c'est dans tous les modes. Alors, c'est pas vrai du tout, parce que, je te rappelle, on faisait toute la France, nous, sur le 19, sans se fatiguer. Oui, comme l'été dernier. C'est ce qui s'est passé aussi, hein, puisque j'étais en mobile du côté de Bois sur Bassins, et ça a été un truc de dingue. Hein. Ça a été un truc de dingue. Hein. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là à ce moment-là, mais ça a été la cacophonie totale. Hein. France, Belgique, Italie, tout ça, tous ces QTH regroupés sur le 19. Et oui, ça passait plein pot. Hein. Donc, tu vois, il n'y a même pas besoin de remonter si loin. Quoi. Voilà. Aujourd'hui, c'est sympa, parce que j'écoute là depuis le matin, et c'est plutôt sympa. Il n'y a pas trop de PRM, pour ne pas dire beaucoup, mais il y a de la propague, et ça, c'est bien. Ouais, c'est plus des bruits atmosphériques, un truc comme ça, qu'on a des bruits solaires, quoi, qu'on a. Et d'ailleurs, c'est là où je me marre, parce que hier, au journal de 13h, là, ils en ont parlé. Bon, je vais pas dire sur quelle chaîne c'était, hein, ça risque de faire de leur pub. Et ils en ont parlé, justement, et ils craignaient, justement, il y a une grosse surveillance en ce moment du côté de l'activité solaire par rapport à tout ce qui est satellite, téléphonie mobile, et ainsi de suite.
tout ça. Et d'ailleurs, ils ont même dit qu'une année, ils ont parlé du cycle solaire, justement, qu'on était dans le sens montant, là, donc en pleine activité solaire. Ils ont montré le graphique qu'on connaît tous. Et ils ont dit aussi là que qu'une année au Canada, ça leur avait fait disjoncter l'électricité là-bas. Ah bah merde. Enfin nous on s'en fout. Si on n'a plus de courant, on branche la station sur le groupe électrogène ou sur une batterie et puis en avant-roule hein, ou sur panneau solaire même. Nous on sera toujours actifs. Hein. Je t'expliquerai demi-voix. J'ai astiqué l'antenne, j'ai attrapé du miroir, je l'ai fait briller. Quoi. Donc forcément, les ondes s'apportent mieux. Quoi. Je déconne. Ok, et puis je vois, là, il est 15h40. Dans pas longtemps, j'ai l'YL qui va arriver avec mon push, puisque le sien est en révision. Et bon, il va falloir la récupérer. Donc ouais, je vais me dépêcher un petit peu de voir si je peux en profiter. Ok, les bonnes 73, à plus. Ok, merci, à plus. Bon, j'ai pas la caméra 2 en route, alors je sais pas, c'est soit la QRT ou je sais pas. Bon, c'est pas grave. On entend assez comme ça ma grande gueule, sans pour autant qu'il y ait besoin de me voir. CQDX, appel de 14 km, 3301 qui vous propose un QSY sur le 27625. 625. CQDX, appel de 14 km, 3301 opérateur Rémi qui lance appel en fixe depuis le sud-ouest de France du côté de Saint-Émilion. Pour ceux qui découvrent le DX, petite astuce, être assez court sur les différentes Les 73-51, René, ça fait longtemps que je ne t'ai pas entendu. Hein. Oh ben moi là je suis au QRH, je suis en repos, je suis au chaud et je profite justement de la propague là qui est en ce moment là pour moduler un peu. Pour le pro je verrai ça demain soir. J'ai du mal à te recevoir, c'est un petit peu compliqué. Puis il y a des bruits de bandes en même temps là qui passent un petit peu là. C'est vrai que j'ai énormément de mal. Tu m'as avec un bon signal de 3, mais la radio elle est de 3 aussi. Quoi. Ok, donc tu as aussi, j'ai pas spécialement de QRM, mais c'est l'activité propague là, qui est là.
J'ai pas de surmodule de station, mais c'est pas mal de bruit de pas mal. Enfin, j'ai un peu de bruit de bande, mais ça suffit pour avoir du mal à te sortir. Et toi, de ton côté, t'as du QRM. Ah, bah, comme ça, on est bien. Hachi, bon, c'est pas grave. De toute façon, on se recontactera une autre fois dans de meilleures conditions. Je serai certainement plus près de Bordeaux, donc en push. Et là, ça ira beaucoup mieux. Oh la vache! Ok, merci. Les bonnes soirées 13-51 retournées. Même si le mois de janvier est terminé et qu'on est au mois de février, la bonne année, meilleurs vœux. Et à la prochaine. Merci, bye bye. On dirait une YL derrière. Ah, c'est là qu'ils peuvent décoder, allez-y. Hein. Ouais, je disais donc tout à l'heure que pour ceux qui découvrent le DX, bien, sur les fréquences d'appel, il faut être assez court, assez bref, mais très clair. Et une fois le QSY fait, bon ben là, ok, on envoie son speech. Et pour trouver des stations, même sur des fréquences comme ça, là, faut fouiller partout, quoi. J'ai entendu là parce que bon j'étais un peu moustaché là. T'es Brésil. Alors je suis sud-ouest de France quand même. Hein. CQ DX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel depuis le sud-ouest de France. Bon, moi que j'ai dit qu'il fallait faire court. Ah oui, puis aussi proposer un QSY sur une fréquence qu'on a déjà écoutée, qu'on a déjà vérifié, ça a été libre. Et bien voilà. CQDX, appel de 14 km 3301 qui vous propose un QSY sur le 27 3 9 5 2 7 3 9 5. CQDX, appel de 14 km 3301 opérateur Rémi qui lance appel depuis le sud-ouest de France du côté de Sainte-Colombe, Saint-Émilion. C'est pas grave. Comme quoi, les jours se suivent et se ressemblent pas. Il est où ?
Wow! Vous voyez un petit peu comment ça fait? Ça, c'est la Propex, hein. Vous voyez comment la Propag agit? Ça fonctionne comme des vagues. Hein. Et là, on s'est pris un petit peu comme un raz-de-marée, là, d'un seul coup, là. Alors, dernièrement... Ils font trop de bruit. Dernièrement, j'ai eu les Américains là, qui sont montés à 9 plus 20. Hein. Autrement dit, plus fort que les stations locales. Alors que, bon, il y a quand même un océan entre. Hein. Ah, l'EDX, hein, ça se fait dans tous les modes. Hein. Là, je parlerai la langue que je pourrais les appeler, là. Ah, là, ça parle français. CQ DX, appel de 14 kilomac 3301 opérateur Rémi, qui lance appel sur la fréquence moniteur des kilomac depuis le sud-ouest de France, du côté de Sainte-Colombe, Saint-Émilion. CQ DX, appel de 14 kilomac 3301 opérateur Rémi, qui lance appel depuis le sud-ouest de France, du côté de Saint-Émilion. Ouais, je crois qu'ils sont tous là-haut. Ouais, il y a un accent des îles. Peut-être pas. Non, c'est peut-être plus du côté Italie, il parle français. Oui, 73-51 de 14 kilomètres, 33-01, opérateur Rémi, sur le sud-ouest de France, non, pas loin de Saint-Émilion. La Guadeloupe. Les 73-51 retournés, mon ami. Ah oui, sans problème. Oui, ok. En plus, je suis en train de faire une vidéo, mais ça va être une vidéo très, très, très longue. Je l'ai commencé ce matin, j'ai pas mal de boue. Et là, j'arrive sur la fin. Il va falloir que je l'arrête à un moment donné. Mais je suis très content d'attraper la Guadeloupe, là, aujourd'hui. C'est vraiment... J'étais en train de me balader sur les fréquences quand, paf, je suis tombé sur toi. Je t'ai pas reconnu de suite. Quand tu as dit en avant les stations, ah là là, j'ai sauté dessus. Oui, 100% QSL, hein, de mon côté, c'est du 51-54. Là, ça navigue un petit peu, là, au niveau de la propague, hein, ça passe très très bien. Merci à toi, je suis vraiment content de t'avoir en fréquence. Et c'est vrai que ça fait plaisir quand même, ça faisait un petit moment que j'avais pas eu la Guadeloupe. C'est vrai qu'en plus, avec le pro, ceci, cela, c'est pas toujours évident d'être en fréquence. Là, j'ai l'occasion, c'est super, c'est génial.
Puisque la propague est vraiment là, je vais laisser les autres stations justement de t'appeler, arriver à faire contact avec toi, car c'est un réel bonheur de pouvoir t'avoir en fréquence. Ok, merci Robert, les bains de 73, 212 QRA, retourné, voilà, de la part de 14, Kilo Mike, 33, 01, Rémi, Dandy 33 sur le sud-ouest de France, et bon contact, bon QSO, et merci beaucoup à toi. Oui, je vous l'avais dit qu'il y avait un accent, je m'étais mis de doute, il y avait bien l'accent des îles qui était là quand même. Eh bien, je crois que je vais laisser tourner la vidéo sur lui. À moins que ça passe. Je sais pas. Alors, c'est parti. Ah, on entend encore, mais c'est trop QRP. Voilà, c'est ça, aller à la pêche au contact. Thank you.